Je vais éteindre la lumière. Voilà. Et bonsoir tout le monde, c'est Sky, bienvenue à mon stream. Ce soir c'est Kenshi, encore. J'avais juste envie de jouer à Kenshi en vrai. Puis sachant que ça fait un bail qu'on n'avait pas fait ça en stream. À cause de certains soucis. Maintenant qu'on peut reprendre, mais on va se le permettre, je pense. Juste lancer le jeu. Alors, bon. Où en est-on? Oui, Kenshi. J'ai pas encore lancé le jeu, excusez-moi. Très calme ce soir. Je pense que ça sera tellement calme qu'on va même se permettre un petit de musique aussi. Je vais peut-être faire attention à la musique qu'on prend. Mais. Allez. Un peu de musique, ça fait pas de mal. Qu'est-ce que je voulais, moi? Je voulais voir un truc aussi, tiens. J'ai peur de faire une connerie si je fais ça. Ouais, je vais essayer une autre fois. Une autre fois. En attendant, on va déjà lancer le jeu, on va vérifier que tout est conforme. Normalement, j'aurais pas grand chose à modifier puisque j'ai pas touché au stream depuis la dernière fois. Je pense pas qu'on ait du monde ce soir, mais c'est pas grave. C'est un moment tranquille, un moment détente. Un moment relax. Ouais, un moment où je suis en fait super fatigué. Faut que je retire tout ce qu'il y a sur mon bureau, quoi. Ça va pas me distraire. Attendez, je cherche un message. Non, pas de message, juste Twitch qui me dit que je peux tout vérifier depuis le tableau de bord en ligne. On s'en fiche. Je crois que j'ai jamais utilisé ce truc. Peut-être que j'ai utilisé sans même le savoir. Il y a l'air d'avoir un message sur. Est-ce qu'il y a un message? Ah, ok, non, apparemment je vais avoir du monde. J'ai pas vu sur Discord, apparemment il y a grand. Il y a Quichotte qui va nous rejoindre pour ce stream. Tranquille pépère. Ouais, on va se trouver un petit peu de musique chill. Je connais très peu de musique chill. Comme j'ai l'intro. Ah putain, j'ai vraiment tout là. Est-ce que je peux. Non, peut-être pas celui-là.
Pas celui-là d'Animal Crossing. New Leaf, je pense qu'il a. Animal Crossing New Leaf a la meilleure bande son dans les Animal Crossing. J'aime beaucoup celui du dernier, mais. Elle est pas aussi. Elle est pas aussi cool que celle de New Leaf. Juste que je trouve. Ah, voilà. Ah. Là, on est sur une ambiance tranquille sur Kenshi. Je vais juste retirer la musique de Kenshi, en fait. Et je pense que là, on est bien. Ouais. J'avais Tu peut-être. m'entends? Ouais, je t'entends. Ok. Bienvenue dans mon stream relax. J'ai oublié de mettre le tag ASMR, mais je pense que j'aurais dû le mettre. M'entendais tout à l'heure? Non, pas du tout. Franchement, j'ai vu que t'étais là qu'en regardant sur le chat Discord par hasard. T'es en train de manger? Mon micro? Non. T'es en train de manger dans mon stream relax? Non. Ah non, mais je tiens vite, hein. Franchement, c'est un stream relax. Bon, on ne tranquille pas trop. Donc ce soir, c'est Kenshi encore. Encore? J'avais juste envie de jouer à Kenshi. En plus, vu que ça fait un bail, tu sais qu'on n'avait pas pu jouer à Kenshi, je me dis que c'était une bonne excuse pour. Sinon, j'ai commandé mon nouvel ordi aussi. Ouais. Tu rejoins quand? Dans. Alors, non, ils vont réunir toutes les pièces d'ici 15 jours et après ils vont l'envoyer. Donc, un peu plus de 15 jours, je pense. Ok. Savais pas que Kelly était partie mais elle a rien dit à personne sur WhatsApp. Je sais pas si le stream. Tout ce qu'elle a envoyé, c'est une nana qui fait la ballerine dans le train. Je sais pas si le stream c'est le bon moment pour parler de ça. Pardon. Pas de soucis. Pardon, ça c'est le réflexe. Montage. Non. N'y a pas de montage, c'est ça? Voilà. Mais on peut te payer un monteur, hein? Non. Quoi? On est en live. Excusez-moi, hein, je dis plus rien. Je continue à manger mes carottes. Génial les mecs aux infos quoi. Oh, qu'on fasse un montage hein. Quoi? Y'a pas de montage? Mais pourquoi on se paye pas les monteurs? Moi, je suis là, je pose mes pépites. On a toute la Victim Squad réunie là, dans ce bar en plein milieu des Deadlands. T'as streamé sur quoi du coup hier? Hier, j'ai pas streamé. Ah, t'as pas J'ai streamé finalement? pas streamé finalement. Sur le coup, j'étais. Je pense que j'ai pas vraiment d'humeur de streamer, fin de compte, et du coup j'ai joué à Stalker un peu une partie de la soirée Mais encore. jusqu'à ce que je meure et que je me dise putain de merde. Voilà. Bon. Victim Squad, Victim Squad, Victim Squad, Victim Squad qui va rentrer au hub. En passant, je sais pas si je peux passer. Non, bah, je vais croquer mes carottes pendant qu'ils se battent, ça fera genre effet, ils se sont pétés un os, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a?
Sinon, je monte mon micro, comme ça on entendra moins. On entend moins que je mange. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Ça a l'air d'être un personnage unique. Quoi. J'ai l'impression que je peux recruter que des personnages uniques dans ce village. Quoi. Allez. Faut sortir de cet endroit assez rapidement, sinon ils vont tous fondre sous la pluie. Faut faire gaffe à toutes ces araignées mécaniques aussi. Il y en a une qui se balade par exemple à droite là. Elle fait pas attention à nous, ça va. Je pense qu'on peut les tracer s'il y en a une à notre poursuite. Celles qui sont à l'extérieur sont généralement moins puissantes que celles qui sont dans les ruines. On s'est arrêté où? Oh putain, il y a un coup de tonnerre qui est tombé juste à côté, quoi. T'es en train de jouer là? Ah ouais. J'ai peut-être oublié de mettre le rendu. Ouais, c'est ça. Non, c'est ma faute. Ouais. En tout cas, tu nous parles de trucs là. Ouais, il se passe des choses, mais attends, je suis toujours sur l'écran. C'est de ma faute. On croit ça au montage. J'ai mis aussi un peu de musique d'Animal Crossing en arrière-plan. C'est vrai qu'on était là. Oh fuck! On était dans la vallée. Oh fuck! Oh fiche! Oh putain, les animaux ils sont rapides! Ouais, non, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi rapides. Ok. Comment on fait là? Ok. Alors, comment on fait? Ça va être. Qui court le plus vite va là-bas. Et c'est Gertrude. Sprinteuse d'exception qui va s'occuper du souci. Oh, oh, double tape de Gertrude. Gertrude s'est fait défoncer. Oh putain. Elle est morte? Non, mais c'était sévère parce qu'elle a pris qu'un seul coup, quoi. Bah j'ai vu ça. Donc ça me demande si elle a survécu parce que c'était rapide. Ouais. C'est tout normal. En plus il y a une poulie assise, ça peut pas rester trop longtemps. Oh, putain mais tire pas sur poulet Marvel. Écoute non plus. Pourquoi on appelle un tireur de Marvel? Hein? Bah pour qu'on ait au moins un tireur dans l'équipe. Bah personne s'est tiré, c'est bien pour ça qu'on les a pas tirés. Et dans le truc quoi. Je pense qu'on va envoyer Jean-Gène s'occuper de Gertrude parce que sinon putain elle va cramer sous la pluie quoi. Ah non, poulet s'est fait défoncer. Et pendant ce temps-là, Ambre prend ses jambes à son cou. Le problème d'Ambre, c'est qu'elle est chargée. C'est pour ça qu'elle est un peu plus lente que les autres. Ah,
Putain, c'est pas le moment là, les temps de chargement à la con. Ils sont presque tous séparés. Ils sont quasiment tous séparés. Je leur ai demandé de courir à pleine vitesse. Le problème, c'est qu'ils vont pas tous à la même vitesse, quoi. Il a assez de soins pour tout le monde. Je pense qu'il a assez de soins pour tout le monde. Pour l'instant, on va enlever les plateformes. Et on a bientôt défoncé le truc là. Marvel et Scout, ils assurent. Enfin, Marvel et Marcel Pagnol, pardon. Parce qu'ils s'appellent pas encore comme ça, mais. Hop, on va désactiver l'araignée. Hop, ça, c'est de la valeur. Pas le temps de tout prendre. Ok, poulet s'est relevé. Juste en le bon set, tu à partir du moment où je lui retire une pièce, il est plus fonctionnel, quoi. D'accord. C'est comme quand tu mets un animal à terre, si tu prends un morceau de viande sur l'animal, techniquement tu l'as dépecé, quoi. Ok. Là, on va avoir un problème avec la deuxième araignée, je pense. Il porte Gertrude, ouais. Ouais, Gertrude et... Ah, putain. Faut qu'il rejoigne l'équipe. C'est quoi qui fait que Marvel soit immunisé contre la pluie? Son chapeau. Son chapeau lui offre une protection. Ok, il y a Marvel et Scout qui s'occupent de la deuxième araignée là. C'est bien, ça fait de l'entraînement pour Marvel aussi. Elle est en train de tirer sur ses camarades. Non, pour moins tirer sur les camarades, faut tirer sur les camarades. Je sais, c'est une drôle de mécanique, mais. Ah oui. Oui. Je. Yes, bientôt. Allez, encore. Encore un coup. Yes!
On pense qu'il y a de la valeur. Hein. C'est quoi quand vous trouvez un abri? Pour un abri? Bah là on va quitter la région, donc techniquement il n'y aura pas besoin d'abri, il faudra juste qu'on se repose quoi. D'où il y a encore de la pluie là. Pardon, j'ai. Oh, il y a une ruine ici. Il y a une ruine, il y a l'air d'avoir des trucs qui traînent là-bas, on peut aller voir. Bon. C'était dangereux, mais on y a survécu. C'est passé. Ouais, une victoire pour la Victim Squad, je suppose. Gertrude est sur pied. Par contre, si elle prend un coup... Elle est à terre. Ah oui. Je vais demander à Ambre de prendre poulet. Hop. Yes. Il y a une vieille baraque en ruine, il y a pas mal de trucs qui traînent autour, on va voir ça. Il y a des buffles pas loin. C'est quoi ces trucs? Des wild bulls. Ouais, ça a l'air d'être de la merde hein, ce qui traîne. Hein. C'est plein d'armes. On dirait une sorte de cimetière. Ouais. Quoi tous ces trucs marqués? C'est escargoté? C'est vrai, c'est des trucs que je peux ramasser. J'appuie sur Alt et je peux voir tout ce qui traîne dans le coin. Beaucoup de choses. On dirait plus un cimetière, mais j'ai l'impression que c'est tout comme. Ouais, ça ressemble beaucoup à un cimetière. Avec leur trompette de la mort. Donc. Surtout qu'il y a que. Ouais, il y a que des armes rouillées à l'intérieur. Peut-être trouver une arme de mêlée pour Marcel Pagnol. C'est quoi cette touche là sur mon. Ok, ça va être la mise à jour. Genre, il y a un icône qui est apparu dans la barre en bas, c'est genre démarrer une réunion. Je sais pas qui moi. Ah, je suppose. Oh! Alors, qui aurait besoin d'une nouvelle arme? Elle est puissante? Elle est puissante, l'arme de paladin? Elle est puissante, mais moins puissante que celle qu'a Rohan, quoi. D'accord. D'ailleurs, attends, je sais même pas en fait quelle classe d'arme c'est cette arme. Et il me faudrait quelqu'un pour vérifier, quoi.
Je vais envoyer Philippe Etchebest la ramasser pour voir ce que c'est. Je crois que c'est juste du heavy. Ouais, c'est du C'est une heavy. arme à deux mains. C'est une arme à deux mains. C'est du heavy. Ça Ouais. serait plus pour Il poulet. baisse. Rangé, non? Non, C'est Ron, lui, il lui? fait dans les tout ce qui est hache, hache et hachoir. Comme D'accord. Etchebest. Non, c'est en gros c'est une arme lourde. C'est pas une arme qui est faite pour couper, c'est plus une arme qui est faite pour taper en fait. Même si. Oh, ah non. Elle fait plus de dégâts de dans des coups. Ouais, mais elle n'en fait pas beaucoup, quoi. Une arme pour poulet ou pour Thor? Non, Thor lui fait dans les sabres. C'est que du lourd. Que du lourd. Ça n'intéresse pas. L'arme de Philippe Etchebest non plus. Oh, il doit bien avoir un truc là-bas qui traîne. Ah, ça pour Philippe Etchebest. Frail Axe. C'est vieux, c'est rouillé, mais ça fait l'affaire. Pour Thor. Un cimetière d'épée, bordel. Y a un peu de tout. Un sabre renforcé pour voir. C'est nul en fait. Pourquoi c'est renforcé ce truc? Et des grosses flûtes. Des grosses flûtes? Les bouts de bois là, je sais pas quoi. Le Léviathan Slayer. Après, j'ai bien envie de donner une arme comme celle-ci à Rouen. Avec sa poignée, on dirait juste une pelle. On dirait une pelle. Non, c'est une épée lourde. Tu connais Berserk? Ouais, bah là, c'est la même idée. C'est juste la poignée de l'arme qui faisait penser à ça. Parce qu'en C'est le gros. truc, en fait, c'est fait pour tanner le cul, ça. Non, c'est le Léviathan Slayer. Le Avec Léviathan. le plat de l'arme. C'est le Léviathan Slayer. Le Léviathan dans le jeu, c'est une des plus grosses créatures. Faudra en avoir une pour comprendre, quoi. En parlant de grosses créatures, j'ai vu la bande-annonce de Monster Hunter. Et lequel? Celui avec Mila Jovovich. Ah oui, le film, ouais, ok. Tu l'as vu? Non, j'ai pas vu. C'est intéressant comme concept. Après, est-ce que c'est bien? Faut voir pour le dire. Mais je te dis pas si jamais tu veux découvrir la bande-annonce. Pardon, j'ai eu un OK. Oh, ça je crois que c'est katana, à moins que ce soit lance. Je pense que c'est une lance plutôt. Ça c'est une lance. C'est qui fait lance? C'est Gertrude qui fait lance. Ouais, le truc c'est qu'elle est totalement abîmée celle-ci. Trente-neuf contre les animaux.
Ouais, non, elle est mieux l'arme de Gertrude. Plus efficace pour attirer les bestioles. Ah, il y a un Naginata qui traîne. Naginata Katana. Non, c'est une lance, quoi. Moi, il me faudra un katana pour Jean-Eugène. Que Merlin, elle s'est trouvé un super katana à deux mains. Ouais. Bon, c'est pas le truc haut de gamme, hein, mais ça fait l'affaire. Je vais donner une arme contendante à putain, Marcel Pagnol. Putain, faudra que je le renomme dès l'occasion, quoi. Non, Scout, c'est pas son nom, c'est Marcel Pagnol. Actuellement, c'est Marvel qui a le meilleur katana de l'équipe. Même si c'est pas un katana en fait. C'est juste qu'il est dans la même classe, mais c'est juste une dague quoi. Il va commencer à faire nuit. J'aime bien comme il y a une arme qui s'appelle le coupe-cheval, mais il n'y a pas de cheval dessus. Ça, c'est un katana. Attaque bonus. Le Tessen, c'est pas un katana, mais c'est classé comme. Sais ce que c'est le Tessen, Cora? Non. C'est un éventail. Et c'est genre, c'est énorme ça. Ouais, c'est les éventails tranchants, c'est le truc de ninja, quoi. J'ai cru genre, les gens ils mouraient parce qu'ils se faisaient fouetter par les montagnes. Non. Again, the Oh. spoon. J'ai trouvé un peu une arme d'assassin là aussi. Hop, toi va ramasser ça. L'odashi. Ah, c'est ça que je cherchais. Ça, c'est un katana. Ça, c'est un katana pour Jean-Eugène. Ça lui inflige un malus de défense, mais. Mais qu'est-ce que je lui mets comme arme secondaire du coup? Un truc qui lui apporte, je pense, un avantage quand il est à l'intérieur des baraques. Parce que c'est l'arme qu'il va utiliser quand il est à l'intérieur des baraques. Je pense qu'il va utiliser ou l'odashi ou le kunai. Arrête ça tout de suite. J'ai rien fait. C'est pas ma faute, c'est les gens, ils envoient des stories. Je pense qu'il va utiliser celui-ci. Allez, on réunit l'équipe et on repart. Bon, on est. Ah putain, c'est vrai qu'on est là-dedans, quoi. Faut faire gaffe, hein. On est toujours pas sorti des emmerdes. Alors, on est vraiment pas sorti des emmerdes, quoi. Je pense que le mieux, ce serait de rejoindre la route, mais en même temps, j'ai tellement peur de rejoindre la route. Petite sauvegarde rapide. Normalement, il devrait pas nous emmerder. Il est où la route, d'ailleurs, là? On va passer par là plutôt. Attends. Demi-tour immédiate. Il y a toute une meute de chiens sur notre chemin, on va prendre un autre chemin. On va essayer de rejoindre la route. Oh putain.
Et là, il y a des putains de bandits affamés, quoi. On va essayer d'y aller discrètement. Bon, ce qui est bien au cours de ce voyage, c'est que quand bien même on a dû dépenser pas mal en bouffe et en recrutement, je crois que c'est une caravane. Ouais, c'est une caravane. On a quand même ramassé des bons items sur les araignées qu'on va revendre. C'est pas mal. C'est quoi ce truc qui brille au C'est caravane. loin? Là, on va pas parce que mon ordi il est pas super tip top. Pas comme le futur ordi. J'étais un peu deck quand même avec le futur ordi. J'avais préparé les pièces et tout à l'avance. Parce que il aurait pu arriver plus tôt si je m'y étais pris un peu avant. J'ai attendu, tu sais, qu'on me prélève le crédit pour la voiture. Mais bizarrement, ce mois-ci, ils se sont dit on va le faire en retard. Et entre-temps, il y a eu LDLC qui s'est dit on va faire une promo. Et dans cette même journée, il y a genre 3 des pièces de mon ordi qui sont vendues direct. Ils en avaient plus en stock. Alors du coup, j'étais obligé de revoir les pièces et tout ça. Il y avait d'autres pièces, il fallait attendre 15 jours et du coup, j'ai modifié certaines pièces. Ça a fait gonfler un peu le budget de l'ordi. Une cinquantaine d'euros, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. De manière, j'ai fait gonfler le budget de l'ordi de base. J'ai rajouté 2-3 trucs qui n'étaient pas de base et... Ouais. C'est juste des trucs que j'avais oubliés sur le coup, mais je me suis dit, ouf, c'est quoi cet endroit? Quel est cet endroit? Ah, on va éviter de s'en approcher. Tu vois le truc qui est juste là? Où ça? Ouais. Ça, c'est une mine de la Holy Nation. D'accord. En gros, La Holy c'est... Nation. Ouais, c'est, tu sais, les gros rachis sexistes là. Ah. Ouais, ça leur appartient. C'est là où tu peux Et ils finir font travailler qui dans leur mine? les esclaves. Les C'est familles d'esclaves? les esclaves. Et ça, c'est pas leur plus grosse, hein. C'est Il y a un camp de bandits pas loin. Décidément, c'est vraiment un coin de merde ici. Hein. C'est encore plus merdique que quand j'étais dans Skinner's Room, quoi. Et nous voilà de retour dans la border zone. Techniquement, on est en sécurité. Techniquement. Donc là, c'est quoi la mission? Ramener Scout à la maison, qu'on va renommer en Marcel Pagnol. Après ça, Ok. ça va être essayer de choper des bandits à tabasser pour monter les stats. Et on retourne sur l'objectif initial, à savoir améliorer nos capacités pour pouvoir choper le chef des bandits des sables. Chef des bandits des sables qui loge. Ah non, merde, c'est pas le bandit des sables qui loge ici. Est-ce qu'on a le niveau pour? Pour le bandit des sables, actuellement, je pense pas qu'on Ouais. ait le niveau. Peut-être un ou deux personnages, le problème c'est qu'ils sont tout un groupe à l'intérieur du bâtiment et du coup, il faudrait qu'on les Ouais, prenne bon, ou on n'y par est le nombre. pas. C'est trop tôt, non? Ouais, il faudrait qu'on les prenne ou par le nombre, ce qui coûterait assez cher, ou par les compétences, ce qu'on n'a pas encore. N'a ni l'argent, ni le talent. Chaque chose en son temps. Ça, hein? L'argent, ça devrait venir C'est un pas pour rien peu qu'on les a appelés avec. la vitesse. J'ai peur parce qu'en fait, je crois que là, on est pas loin de la tour d'un autre groupe de bandits, si je me trompe pas. Là, on va passer par la station des Tech Hunters pour revendre les pièces qu'on a récupérées. Comme ça nous libère un peu de poids sur les épaules. Et par contre, Ambre, je crois qu'elle est en train de se muscler là encore.
43 de force. Elle rattrape poulet. Hein. Ambre, elle va devenir. Ambre ? Ouais, elle va devenir tellement musclée là. Franchement, Ambre. Elle va devenir Golgoth. Ambre, si elle augmente ses capacités d'arts martiaux, ça sera une des plus grosses combattantes de l'équipe. Et du matériel là. Il est pas exploité ce terrain. Que je me trompe pas. Il me semble que ce terrain est pas exploité. Une fois qu'on aura pété la gueule au chef des bandits des sables, l'objectif après, ça sera de se construire une maison. Bon, parce qu'on a acheté une maison, hein, mais là, ça sera de se construire une base, tu vois. Que chacun puisse se mettre à ses activités perso. Marcel Pagnol deviendra fermier. Rouen pourra devenir cuisinier. Il y a quoi ici? On va faire un arrêt par cet endroit. Un bâtiment à l'intérieur. On va voir s'il y a des trucs. N'empêche, les bâtiments dans ce jeu, ils sont vachement dépouillés. Hein. Tu pouvais pas mieux dire. je savais pas que ce serait comme ça à l'intérieur. Hein. Il me semble que ce bâtiment, enfin, ce terrain est exploité. Oh, attends. Oh, il y a quelqu'un, là. Qui c'est, ce type? Qu'est-ce qu'il fout, là? C'est qui, ça? Une idée. C'est une femme? C'est une femme apparemment. Le truc, c'est qu'elle prétend être un paladin de la Holy Nation, sauf que la Holy Nation ne recrute pas les femmes en tant que paladin. Ouais. Ah, non, non. On a 18, pas de politique. Mmh. J'ai fait une blague avec la Holy Nation. Et je me suis dit non. Surtout, je crois que c'est marqué en bas, pas de politique. Ouais, mais ça dépend si c'est la politique de jeux vidéo, ça reste. Parce que pour tout ce qui est nation fictive, on a pas. Ah, mais là, c'était. Une comparaison directe, c'est ça. Ouais. Ok, ouais, non, mais c'est vrai. Spam pas le chat, s'il te plaît. Reste cool, s'il te plaît. La politique pour les politiciens, s'il te plaît. Est-ce que t'es en train de te foutre de mes règles? Non, pas du tout. T'es en train de te foutre de mes règles? En plus, c'est bien écrit, c'est poli, parce que je dis s'il te plaît, t'es en train de te foutre de ma gueule. Non, mais c'est le STP à la fin, j'imagine, sur le ton sur lequel tu le dis. Mais c'est légitime, c'est poli, c'est pas comme ça, là, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh, bonjour. Et c'est tout pour le moment, point d'interrogation. Ah putain. Ouais, c'est une grosse conne. Tu m'insultes là? Non, pas toi. L'autre, là, dans sa vieille baraque pourrie.
Ah ouais, bah elle est toute seule là, au-dessus, enfin, en haut de sa montagne. Non, mais elle soutient un régime qui est contre elle, quoi. C'est totalement ridicule. Écoute, elle aime souffrir. Ouais, je suppose. Par contre, le groupe commence à avoir faim. Comme Mulan, elle espère être acceptée par l'empereur. Je sais pas comment, mais le groupe commence à avoir faim. C'est-à-dire que là, on a Philippe Etchebest qui, assez étonnamment et ironiquement, a très faim. On va voir ça au bar où on va aller. Tu sais ce qui me ferait rire? C'est si j'arrive au bar et qu'il y a un robot à recruter là. Pourquoi dans le truc chaîne recommandée, c'est les trucs que tu regardes? Chaîne recommandée? Non, c'est les trucs Ouais. que tu regardes. Ah. Ouais, je fais pas de recommandation de Twitch, je regarde à peine Twitch. Il y a qu'un seul streamer, deux, pardon. Non, quoi qu'un seul, je regarde à peine Kebabman. La plupart du temps, il stream du Smash, et Smash, ça m'intéresse pas, quoi. Enfin, du moins, le monde compétitif. C'est à faire. Je pense que je vais pouvoir. Ça a l'air un peu plus chaleureux par ici. Oui, non, ça l'est. Allez, on pose poulet là. Et on va faire un peu de vente. Tous au bar. Je pense que je peux tirer au moins pas un mauvais prix sur ce que j'ai récupéré ici. Hop, pause. Le monde de Yeah. Genshin est quand même déprimant. C'est un monde post-apo, que veux-tu? Eh, vivement le 2, où ça se passera avant l'apocalypse. Non, mais franchement, je suis assez curieux de voir à quoi ressemblait le monde avant Le truc l'apocalypse. d'un bon inventaire qui ressemble à une paire de bandes De quoi? dans l'inventaire là. Ça? Non, parce que je vois pas ce que tu pointes. Non. En fait, l'inventaire de droite, le terrain là. Ah, ça c'est l'inventaire du marchand, quoi. Qu'est-ce qui ressemble à quoi? Quoi? Ils vendent des cacahuètes ou c'est quoi? Ça? Ouais. Non, ça c'est des sacs pour les animaux. Ah, d'accord. D'ailleurs, en parlant de sacs, ça je vais pouvoir le revendre. Parce que j'en ai aucune utilité. Quoique, je peux le garder pour. Attends, est-ce que c'est lourd ça, non? T'as de la viande en or? Non, c'est. Je sais pas s'il y a de traduction pour ça. Je crois que c'est de la graisse d'animaux. Kilos, 5 kilos. 43 kilos, ça. Je vais garder le truc de 43 kilos. Je vais vendre les trucs de merde, là. Je pense que je vais garder les plaques en acier. J'en avais récupéré d'autres. Ça. Ça, on va le revendre ici. J'ai pas besoin de m'encombrer avec l'équipement que je peux utiliser. J'ai pas d'arme secondaire pour Gertrude. En même temps, il n'y a pas de lance. Il n'y a pas de lance en combat rapproché. Ça à vendre. Ça à vendre. Ouf, ouf. Ouf. Comme on récupère bien la monnaie là. On passe quand même de 5 000 pièces à 19 000 pièces là. Que dis-je? 22 000 pièces. Non, je me suis trompé, 23 000. On est riche. On peut acheter de la bouffe. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Je pense Mais que. t'en as pas vendu là de la bouffe? Non. C'est quoi les viandes? C'est dans son inventaire à lui? Ouais, là, c'était dans son inventaire de base. C'est un vendeur dans un bar, donc forcément, il y avait des trucs. J'ai pas vendu de viande. Par contre, je vais vendre l'espèce de graisse pour animal. Il y a que. Ah merde, non, ça, je récupère. Il y a que Merline et Jean-Eugène qui peuvent manger ça, je crois. C'est peut-être pour De quoi ça la que. graisse? Ouais. On va leur prendre des sandwichs. Attends, non. Marcel Pagnol, il compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. T'en comptes, on est 10 là. On est 10. Ça fait beaucoup de bouche à nourrir. Enfin, 10 et moins 1 si on compte les bouches à nourrir parce que Marcel Pagnol ne mange pas. Ça, normal. Ouais.
Du coup, on va peut-être aller au moins cher pour le Parce moment. que là, si ton Marcel Panel se met à manger, moi je te dis, tu t'es fait escroquer. Voilà, C'est pas un robot. j'ai acheté tout un lot de Hein? biscuits et on va acheter Un quelques gâteaux. putain de gars déguisé. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, on est à 20 004. On a acheté de la bouffe, à savoir des biscuits et de la viande. Je pense qu'avec ça, on devrait pouvoir nourrir l'équipe. Et il commence à manger. C'est nickel chrome. C'est nickel chrome. Tiens, un petit check sur les personnes qui sont dans le bar. Lui, on peut pas le recruter, ça c'est sûr. Puis c'est une vieille crotte. Et lui, c'est une vieille crotte aussi. Le mec, il s'appelle Gantouze, quoi. Oh, la pantouze. Petite sauvegarde rapide. Un voyage qui, mine de rien, arrive bientôt à terme. Et je crois que j'ai oublié Gilbert. Comment il se porte? Ça va. Il meurt pas de faim. Gilbert s'en sort très bien. Alors, par où ils vont passer? On va passer par là. C'est parti, les amis. On va les mettre en mode passif pour le moment aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est que moi. J'appelle la fratrie. Ah, je sais pas s'il va venir. Entre Fran qui travaille en ce moment et Vanessa qui se couche assez tôt. Bon, on verra bien. Si Vanessa, en plus, elle a fini. Normalement, il y a Cyberpunk qui sort officiellement demain. Ouais. Tu la précommande? Non, non, là, les dépenses, j'essaie d'y aller mollo. J'ai acheté l'ordi là. Le PC, ouais. Faudra que je réfléchisse pour les cadeaux de Noël pour les parents. Et ensuite, le mois, on va aller au nécessaire, quoi. D'ici à ce que je reçoive ma paye de décembre. Et tu comptes le prendre sur quoi, Cyberpunk? Oh, sur ordi, sûrement. Déjà, ce sera cool si j'ai envie de streamer. Et en plus de ça. En plus de ça, j'aurai un super ordi pour le faire tourner, quoi. Je vais le monter comme un pro. Cable Management de pro. Waouh, il y a un moine voyageur. Mais bon, apparemment, ceux qui ont pu y jouer pour déjà avant sa sortie, parce que tu sais, il y avait les trucs pré-achat là, c'est un avis assez mitigé. Ouais. Parce que le jeu est cool, ça n'existe pas. Le problème, c'est les bugs. Ah, bah oui, ça, il Apparemment, faudra attendre les mises à jour, je suppose. ouais, sachant que le jeu n'est pas encore officiellement sorti, donc je pense qu'ils vont faire les mises à jour demain, quoi. Mais Sûrement. apparemment les bugs sont assez sévères et ils le sont de plus en plus quand tu te rapproches vers la fin du jeu, quoi. Ce qui est un peu gênant. Peut-être parce que tu sais, c'est les sujets tests, on leur Faut a voir. mis un truc buggé pour pas que tu vois ils kiffent trop par rapport à ceux qui vont acheter Non, après. Non, je... non, je pense pas. Non. Non, mais il va sûrement y avoir des mises à jour. Oui, sûrement. Après, ce qui pose souci, c'est qu'ils ont quand même reporté la sortie du jeu deux fois, quoi. Pardon, Ouais, trois. c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais là, Gilbert?
qui est là? Gilbert. Il était censé être à la maison, il attendait tout le monde comme ça ici. Il voulait faire une, je sais pas. Genre, je savais que vous arriveriez. Ouais, il voulait faire une petite réunion chaleureuse, je sais pas. Mes amis, ça fait des mois que je suis seule. Deux mois, non. D'ailleurs, on est à combien de jours là? On est au jour 40. Ça fait 40 jours que les aventures de la Victim Squad, je parle in-game, hein, a commencé. Sachant qu'il devait y avoir une dizaine de jours où ils se sont entraînés. D'ailleurs, ça me rappelle maintenant qu'on a Marcel Pagnol. Il faut savoir que dans le jeu, on peut recruter des animaux. Et j'aimerais bien recruter une chèvre et l'appeler Monsieur Seguin. C'est con, hein, c'est comme, Je voilà, suis gay, quoi, là. c'est comme le monstre de Frankenstein qu'on appelle Frankenstein, hein, mais... Ouais, c'est ça. C'est en fait, c'est les personnages qui n'ont pas d'identité propre. Voilà. De quoi? T'as dit quoi? J'ai dit ouais, voilà. Voilà. Voilà, putain. Mais quoi, j'ai dit voilà, j'ai pas dit que tu avais dit comme ça. On se détend là, les gars, détends ton stream. Déformez pas mes mots. De quoi? Déformez pas mes mots. J'ai pas déformé tes mots, j'ai juste fait une répétition. Hein? Voilà. Hein? Fais gaffe, hein? C'est un stream relax. Non, mais c'était pour terminer ma phrase. Ouais, Voilà. c'est un stream relax, fais gaffe, hein? Hop. Mais on est relax, là. Il n'y a que toi qui es tendu. Alors, Non. faut savoir que Marcel Pagnol, étant donné que c'est un robot, il est un peu difficile à équiper, puisqu'il ne porte pas de t-shirt, pas de bottes et pas de casque. Tout ce que je peux lui mettre, c'est un pantalon et une armure. Soit le strict nécessaire. Je pense que je mettrais tu sais, une armure moyenne à Marcel Pagnol. Pour le moment, une fois qu'on aura la base, bah, il pourra se contenter du strict nécessaire puisqu'il sera fermier. Est-ce qu'il est. Je crois que c'est lui. Yes. Yes! Yes! Objectif atteint. Mesdames et messieurs, je vous présente Marcel Pagnol. Regardez ça. Marcel Pagnol qui a plus 20 sur la fabrique d'arbalètes, plus 20 en athlétisme, plus 20 sur la manipulation des arbalètes, plus 10 en force, mais qui a moins 20% sur les armes contondantes. Moins 20% en cuisine. Ah oh, putain. Il a un malus en. Pour faire. Enfin. Il a un malus en culture. En gros, bah, ce sera un mauvais fermier. Mais il sera fermier. Mais ce sera un mauvais fermier. Il sera nul. Non, mais Non, mais je dis pas sérieux, qu'il sera nul. C'est pas qu'il il sera co... nul. C'est juste qu'il sera beaucoup plus lent à évoluer dans ce domaine. Il colle vraiment bien à la Victim Squad, quoi. Non, mais c'est quelqu'un de persévérant. Il est nul dans la culture, dans Il est l'agricole, patient. mais il s'y mettra. Regarde, sans rien faire déjà, il a développé 80%. Dans le domaine, alors qu'il a même pas farmé quoi que ce soit, quoi. 80% du niveau, hein.
Et voilà, chaque chose son temps. Et toi, t'as débuté à quelle heure le stream? 21h30. Il est déjà 22h27, ça a été le temps de rentrer à la maison, quoi. On a le temps de lancer le jeu aussi et tout. Je savais même pas qu'on avait ça dans l'inventaire. Bon, on a des plaques de fer. On a plaques de fer encore. Et tu comptes nous faire survivre dans le JDR parce que c'est mal barré? Et tu comptes nous faire survivre dans le JDR parce que c'est mal barré? Non, c'est juste que vous avez pas de bol, c'est tout. C'est des attaques qui sont pas passées. Je crois qu'il y a. Il y a. Putain. David qui a oublié que ses sorts de niveau 0, il peut les utiliser à volonté. Donc le sort qu'il avait utilisé, il peut le réutiliser. Ou alors, est-ce que c'est comme dans les jeux vidéo, c'est les premiers boss que tu peux pas affronter, quand tu peux pas gagner, tu te réveilles après, Alors, t'as pris une bonne franchement, baston. des ours comme premier boss, faut admettre que c'est pas épique, quoi. Mais attends, t'as quatre putains d'ours, ils ont des niveaux plus élevés que nous. Ouais, Ils nous mettent, attends, j'ai 10 PV et j'en ai déjà perdu 7. mais... Je vais y passer, Tranquille, moi. tranquille, tranquille, tranquille. Et Vanessa, elle va y passer peut-être avant moi. Elle a moins de PV. De Tranquille, départ. tranquille, tranquille, calme-toi. Ah, t'es en train de marchander avec le MJ? Relax. T'es en train de marchander avec le MJ? Non, faut pas, hein. Non, pas du tout. Si, t'es en Pas train de du tout. marchander avec le Je MJ. mettais un point de vue. Tu joues les maltraités alors que pour l'instant je vous ai très bien traité. Hein. Vas-y, tu m'as mis une putain de patte d'ours dans la gueule. Ouais. Voilà. Et... T'as qu'à envoyer l'alpheline devant, elle mérite. Surtout, elle nous envoie des bourrasques depuis le début. Elle n'a pas de bourrasque. Non, mais surtout qu'elle exagère ses bourrasques. Hein. Faut qu'elle se mette à lire sérieusement ses sorts. Mais ça, c'est une dramaturge. Gertrude, Donc Gertrude. vendredi soir à 21h30. Vendredi soir 21h30. On est d'accord. Je serai en place. Qu'est-ce qu'ils font? La semaine prochaine, en fonction des événements, je serai peut-être dans le sud. Donc ce sera peut-être une semaine sans JDR. Ok. Mais pour l'instant, au vu des circonstances, c'est mal barré. Pour que je descende, évidemment. Je reviens. Ok, d'accord. Vraiment. Ça fonctionne vraiment. Ah, ils sont arrêtés. Excusez-moi, je faisais les tests.
que sur le Reddit de Kenji, j'avais lu par hasard en fait qu'il y avait ce truc que si on prenait deux personnes, qu'on en assignait une en tant que garde du corps de l'autre et qu'on demandait à l'autre de suivre la première, apparemment il se mettrait à tourner en rond. Et que ça, du coup, c'était pratique pour genre développer tout ce qui est force et athlétisme. Ah, ça fait un bail que j'ai pas lancé mon Animal Crossing. En plus, c'est décembre. Ah, c'est pareil. Ah, j'ai la flemme de lancer. Ah, il doit avoir tout plein d'herbes mortes. Enfin, des mauvaises herbes, pardon. Herbes mortes. Quel triste monde s'il y a des herbes mortes. Alors. On va faire ça. On va attendre le petit matin, peut-être. On va attendre le petit matin. Et on va envoyer l'équipe chasser du bandit. Ça va être sympa. Ça va permettre de développer des compétences et tout ça. Il faudra voir en termes de kit de soins si on est équipé. Kit de réparation. Elle est pas du tout encombrée quoi. 1% d'encombrement alors qu'elle a putain de 43 kilos sur le dos quoi. Putain, j'aurais dû ramasser plus de jambes d'araignée quoi. Bon, je peux utiliser ça comme arme? What the fuck? Attaque bonus plus 4. Ouais, moins 25 en défense quand même le truc. Hein. Je pense qu'en fait il me faudrait des armes lourdes à ramasser et à mettre dans les poches. J'ai des carquois pour tout le monde en fait. Je suis mal pris. Merde. Ah, ah. On a du soin. On va donner ça à Marcel Pagnol. Comme ça, il peut quand même soigner l'équipe. J'ai quoi dans ce sac? J'ai rien dans ce sac. Ok. T'as fait quoi là depuis ces 5 dernières minutes? J'ai fait courir un peu Gertrude et Ambre. Puis ensuite, je fais un check inventaire pour préparer l'expédition chasse aux bandits. On va laisser l'équipe ici. On va envoyer Gilbert acheter de la viande. Avec nos 20 000 cats. Chose assez intéressante, il y a peu. Ah putain, c'est vrai, pourquoi j'ai ça dans mes jambes, quoi? Enfin, dans mon sac. Je pense qu'il devait y avoir une raison derrière ça, mais je me rappelle plus, quoi. Ouf, ça coûte cher les kits de réparation. Il n'y en a pas les moins chers, je crois qu'il y en a les moins chers normalement. Combien? C'est 12 000 pièces le kit de réparation. Oh! Et t'as combien de pièces? 20 000. T'en rends compte, la moitié de ma fortune va s'en mettre là-dedans. C'est ça. Non, on va acheter de la Et viande toi qui disais, crue. wow, vas-y, ça fait du bien de gagner de l'argent. Et là, Voilà. avec un kit, t'es déjà dépouillé. On va acheter 30 pièces de viande crue, dont Gilbert va s'occuper de faire cuire tout ça.
L'équipe, quand elle passera après, elle prendra de la bouffe pour elle. Tu refais des streams cette semaine? Cette semaine, je pense que j'aurai à faire d'autres streams. J'aimerais bien streamer Dragon's Genre, Dogma notamment. quand ça? Je pense que je ferai ça demain soir. Je veux dire, pour l'instant, j'ai rien de prévu cette semaine. Hein. Tu te doutes bien, c'est confiné, tout ça. Il se peut qu'on soit confiné un peu plus longtemps aussi. Ça, c'est génial. C'est génial, tu t'es sérieux? Non, je suis bien sûr que je suis pas sérieux. Tu crois vraiment que ça me fait plaisir? Yes, plus de confinement. J'adore Moi, mes vacances ouh, confinées. j'aime être enfermée. C'est le Je suis fun. dans le life. Oui. Ouh, vive la dépression. Vive la dépression. Je vais me suicider parce que c'est cool. Suis en train de regarder un truc. Hop. Il y a tous les. Tu stream quoi demain soir? Tu stream quoi demain soir? Dragon's Dogma, je pense. Tu le prendras sur Steam Cyberpunk? Sur GOG. GOG? Ouais. C'est-à-dire? Sur GOG. C'est Pour concrètement. c'est moins cher, c'est ça? C'est pas que c'est moins cher, c'est que l'argent revient directement aux développeurs du jeu, puisque GOG leur appartient. Ouais, je suis ce genre de D'accord. personne. Mais non, en vrai aussi, je crois que c'est moins cher, étant donné que sur GOG, les prix sont ou convertis directement donc, du dollar à l'euro, c'est-à-dire que 50 dollars, ça fait pas 50 euros, comme le pensent beaucoup en France. Je parle dans le domaine de. Du marketing, hein. Les mecs, ils justifient ça avec oh, c'est la taxe TVA. Genre TVA sur Et un truc donc, dématérialisé, c'est un peu du foutage de gueule. 57 dollars en euros, ça fait... Non, 50 dollars en euros, ça doit Pardon. faire 48 euros à peu près. Ouais, ça va 48-49. de... Ça fait ça d'économiser sur le long terme, c'est pas rien. Sachant que si le prix n'est pas converti sur leur site, ils te remboursent quand même une partie directement sur ton porte-monnaie GOG. D'accord. Et... Non, j'allais dire non, mais non, c'est pas du tout ton style de jeu. J'allais parler de Detroit Become Human. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Detroit Become Human. Je ne connais absolument rien du jeu. J'ai même pas regardé de let's play, rien pour pas me spoil. Ah non, j'ai une très mauvaise expérience avec le jeu, donc du coup, forcément, ça me sort par les trous de nez, quoi. Comme cette fois où. Oh, bah du coup, mes QTE ont bugué sur la manette. Ouais, non. J'allais finir avec tous les survivants dans Until Dawn et que j'en ai perdu deux d'un coup. À cause d'un putain de QTE qui n'a pas pris. Hein? Hop. Gilbert, il va cuisiner de la viande. RIP, Matt et Jessica. En même temps, d'une mort terrible. Est-ce que ça fait augmenter ses compétences en cuisine à Gilbert? Mais j'ai hâte de, par contre, de voir la bande d'annonce, enfin, la nouvelle bande annonce de House of Ashes. C'est la maison des cendres. Ah, House of Ashes, ouais. Le nouveau, ouais, le nouveau Dark Pictures qui sort l'année prochaine. T'es vraiment à fond sur les Dark Pictures, toi. Bah écoute, j'attends de trouver le Dark Pictures qui arrive à me convaincre. Sachant que j'ai pas encore joué à Little Hope. Ouais. Ouais, c'est. Je pense que c'est un peu trop tôt de parler de trucs qui peuvent nous convaincre, quoi. Hop. Bon, c'est le petit matin. Parce que Man of Medan, dès la première minute du jeu, il t'offre une déception sur toute l'intrigue, hein. Oui, non. Et c'est que les premières minutes du jeu. C'est que les premières minutes du. Genre le truc qui t'a déjà spoil en une scène. C'est-à-dire le prologue.
poissons pour chacun. On va prendre Et les personnages deux sont clairement pas sandwichs. attachants. Parce qu'en fait, si on joue avec la personnalité des personnages, hein, le grand frère, là, celui qui sort avec la blonde, Ouais, c'est un con. Alex, moi je crois que c'est Alex, Ouais. c'est un michto. C'est un con. Un michto masculin, on est d'accord. Oui. L'autre, c'est une chieuse, mais pas pour autant, tu sais, fille à papa. C'est un donjon du bac à sable. Et en vrai, même si t'sais, pourtant c'était le personnage préféré de tout le monde, c'est la capitaine du bateau. En vrai, vu que j'ai récupéré des documents sur notre partie, tu Ouais, vois, ouais. elle serait prête à tout pour de l'argent. Oui. pour sauver son bateau, tu vois. Alors, prête à tout, oui et non. Parce que. Prête à tout, non, pas n'importe quoi non plus, juste pour sauver son bateau. On n'a pas dit Ouais. qu'elle allait se prostituer, tu vois. Non, mais quand bien même, c'était la première à dire de laisser quand même l'épave de l'avion tranquille, alors qu'elle aurait très bien pu se dire, alors, ouais, c'est de l'argent, ça, quand même. Ouais, non, parce qu'après, c'est dans sa culture de base. Il faut pas toucher aux morts. Donc ouais, voilà, elle a au moins une once de décence. Elle est dans la mouise, mais elle est respectueuse. Voilà, dans la mouise, mais pas désespérée. Ouais. Mais sinon, et puis l'autre, là, le petit intello à lunettes, en fait, lui, il est. En vrai, il est inerte. Excusez-moi, je reviens. Hello, venez, venez, oh, ça va. J'ai le droit de me foutre de sa gueule. Il n'y a personne pour confirmer ça. Il n'y a pas de témoin qui va dire, genre, ah, tu t'es foutu de sa gueule. Ah. Eh ben non. Je vais me foutre de la gueule de tout le monde. Il n'y a personne pour me juger. Pas même de personne pour regarder mes rediffs. Sur The Script VOD, lien dans la description. J'ai peur qu'on va se faire péter la gueule là maintenant. Ouais. On est 10, mais on va se faire péter la gueule. Mais au moins on est équilibré, neutre. Tant que je reconfirme. Attends, pourquoi je compte ici alors que je pourrais genre directement aller ici, là, là. Ouais, 10. Je crois que 10 c'est pas le plus grand que j'ai eu. Première partie, je crois que j'étais à 110 persos avant de perdre ma sauvegarde. 110 persos, c'est pas mal ça. Tu gères pas tout, hein. Franchement, t'envoies une partie faire le ménage, enfin, tout ce qui est nécessaire, genre fabriquer les matériaux, les armures, les armes, farmer, la bouffe notamment, quelques-uns pour cuisiner. Et en vrai, en combattant, je devais en avoir juste une vingtaine. Mais c'était des bons combattants. Hein. Et une fois que t'as le truc, là, avec les mods, les combattants, tu. D'ailleurs, ça me rappelle qu'on n'a vraiment aucun assassin dans l'équipe à proprement parler. Gertrude est censée faire dans l'assassinat. Elle a que 12. Par contre, elle a une très bonne discrétion. Aucune compétence de crochetage. Je crois que le meilleur en crochetage actuellement, c'est Gilbert. Et Gilbert, c'est un peu le couteau suisse, mais avec les compétences de combat en main. Allez.
Page de chargement, ça continue. Là, on se rapproche de la tour du chef des bandits des sables. Objectif, augmenter nos compétences. Precision shooting. Franchement, Merlin s'est améliorée en tir. Elle n'est pas aussi efficace que Marcel Pagnol, qui est putain de bon dans son domaine. Mais je pense qu'avec son équipement, elle peut faire l'affaire. J'ai peut-être pas fait le plein de soins, par contre, avant de partir. J'ai récupéré quelques bandages sur Gilbert, mais c'est tout. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelques patrouilles qui traînent ici, mais ça a pas l'air d'être le cas. On va faire le grand tour, je pense, histoire de voir ça. Puis ensuite, on pètera les gueules après. Je peux pas me rapprocher du mur à proprement parler, sachant qu'il y a les gardes qui tiennent les tourelles. Et du coup, si je les envoie de jour, on va se faire démonter, quoi. Ce qu'il faudrait, c'est quelqu'un qui soit bon en crochetage. Et qui, du coup, au petit matin, enfin, le soir, comme ça, il arrive. Et il ouvre le portail. L'avantage, si on fait l'attaque de jour, c'est que quand même on se prend une raclée avec les tourelles, je crois qu'il y a moins de monde dans la tour, étant donné que la plupart sont en patrouille à l'extérieur. Là, puisqu'on est là, autant choper les patrouilles qui sont à l'extérieur, quoi. On essaiera de choper les pièces d'équipement qui leur appartiennent, histoire de rembourser un peu les pertes en soins. Ah, c'est des bandits affamés, par contre c'est un gros groupe. Ils sont nombreux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je crois qu'ils sont le double. 21, je crois, si je ne me trompe pas. C'est plus facile à compter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Non, ils sont 20. 20. Je crois qu'il y a le chef qui a une petite prime sur sa tête. Pas une grosse prime, franchement, c'est pas ouf. On peut tenter de se friter avec eux, au moins pour les points de compétence. Mais je donne pas cher notre réussite. Plus on va se faire racketter, je pense. Excusez-moi, c'est un moment épique. On a la victime squad qui, on va la retirer du mode passif, qui s'approche. Non, attendez, on va les remettre en mode passif. On va dégommer le premier. Allez, ça va. Oh, ouf, non, on prend une raclée, on prend une raclée. Yes, Jean-Eugène prend le truc, Jean-Eugène prend un coup. Marcel Pagnol et... bataille ensanglantée. Hop, on va les mettre de ce côté-là, comme ça. C'est plus facile à tirer. Yes, yes. Just food. C'est le gars qui t'attaque en disant just food. Non, non, il avait dit avant qu'il voulait juste de la bouffe. Et les gens, ils t'attaquent? Ouais. Ou tu les as attaqués? Non, non, ils m'ont attaqué. Ok. Donc, ils te voient comme du poulet, quoi. Oh, putain, comme il est bon à l'arbalète, Marcel Pagnol. Bon, il vient de tirer au sol, là, mais... Oh, il y en a un qui rampe, là, jusqu'à vous. Attends, Marcel Pagnol, va s'en charger. Oh, ce massacre. Oh, hé. Oh, ce pitié. Ils étaient 20. Ils étaient 20. Oh, le gars qui fait demi-tour en rampant. Non. Épargnez-moi. Ils étaient 20. C'est de la peine. Mais là, tu n'arrives même pas à dire s'ils étaient vraiment 20. Ah non, non, mais on a démonté. Et là, vois... j'ai cru que c'était des cailloux. Là, tu vois à quel point la Victim Squad, c'est... C'est plus comme à ses débuts. Qu'est-ce que c'est que cette position? Tu prends la pose pour Playboy? C'est la lapine, elle prend des poses bizarres.
Est-ce que Ambre, elle a pris un coup à la tête, mais c'est tout. Elle assure, Ambre, elle assure. Il est où le chef? Il est où le chef? Qu'on te dépouille de ses sous là. J'ai testé, j'ai acheté une petite boîte mécanique, non connectée, sans onde, qui s'appelle Morphée. Du coup, je vais faire la pub pour un magasin, non, on fait pas. On fait pas. Ouais, c'est pas une Enfin bonne idée. bref, c'est un truc là qui t'aide à dormir, machin, à te détendre. Et j'ai fait genre un bruit de la nature à la lapine, je l'ai perdu. Genre d'un coup, elle s'est figée, t'sais, sur le bruit des oiseaux. Et je lui ai fait des papouilles et puis elle a disparu. Genre limite elle partait en plénitude la lapine. Je crois qu'elle kiffe le bruit des oiseaux. Je me suis dit demain je vais lui faire le bruit de la mer, le truc qu'elle a jamais vu de sa vie. C'est la nana qui murmurait à l'oreille des lapins. Hop. Ils Là, ils assurent, ont ils du répondent. sang, on dirait de la merde. C'est normal, c'est la Hiver. Ils ont leur sang, il est marron, marron vert un peu. Ça. Leur sang dirait de la merde. C'est comme s'ils avaient chié durant le combat, tu vois. Ah, grosse chiasse. Bon, moi, je vais pas tarder. Parce que demain, ce sera encore une longue journée. Aujourd'hui, c'était le jalon. Demain, on va dire, c'est mon dernier jour d'astreinte de la semaine et après, enfin, c'est du travail de bureau. Et je serai en petite vacances. À petite. Tu vas streamer jusqu'à quelle heure encore? Je vais arrêter dans pas longtemps, je pense vers 23h30. D'accord. Moi, je pense que je vais me coucher là avant. Sinon, ça va être dur. Ouais. Là, j'essaie juste de voir s'ils ont du loot qui peut J'essaierai de sortir. passer sur ton stream demain soir. Ça tout dépend à quelle heure tu commences. Moi j'ai dit vers 21h30 normalement, tu sais. Si je suis pas là, c'est que j'ai été appelée pour combattre le crime. C'est que j'ai vu le bat signal. Sur ce, je te dis à demain soir, Demain peut-être. soir. Et pour ceux qui passent ici, bonne nuit et bonne soirée. Enfin, bonne Il soirée, n'y a bonne personne qui est nuit. passé. Dans ce sens-là. Comment? Il n'y a personne qui est passé. Tu peux dire Non, genre mais on sait jamais. bonne soirée On à sait ceux qui vont jamais. regarder rediff, mais il n'y a Il y personne qui a va regarder. quelqu'un qui était passé. Mais Où? très rapidement. Ah bon? Ouais, je l'ai vu sur les trucs, tu sais, en bas. Ah non, On était à deux. arrête de regarder ça, franchement, c'est. Non, mais je l'ai vu par hasard. Par hasard. Non, J'ai cru que c'est. c'était Poulet qui nous rejoignait. Non. Enfin, pas Poulet. Putain de merde. Sur ce, bonne nuit. Bonne nuit. À demain. À demain. Je sais même pas pourquoi j'espère récupérer genre du loot sur ces connards. Putain, il est bon, Jean-Gène. Il est bon, il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon? État de la situation, est-ce qu'on a encore de la bouffe pour l'équipe? On a de la bouffe pour l'équipe. On leur a pété la gueule, bien sévèrement. Je pense qu'il y en a, ils vont crever. Comme lui, là.
pourrais essayer de m'en convaincre à ramener ce type, genre pour en tirer une prime, mais putain, il faudrait le ramener à Squeen et j'ai la flemme. On va marcher le long de la route ici. Avec un peu de chance, on va tomber sur un camp de bandits ou des bandits. Peu comme ces connards qui s'y accordent. T'as plus de carreaux? Non, t'as des carreaux. Allez, tire-lui dessus. Oh, sérieux? Marvel. Ah, quand même. Voilà. Il s'est un peu fait fusiller, mais. Et puis il s'en sortira, sauf s'il fait une hémorragie. Par contre, il va perdre une jambe. Pas ma faute. Par contre, lui, il va crever. Comme genre, il y a quelques secondes, il me fonçait dessus et là maintenant il fait le mort. Allez, hop. En avant toute. Je pense qu'après ça, je vais me mater un film avant d'aller me coucher. Je traînais sur Amazon Prime il y a pas longtemps, j'ai vu qu'il y avait pas mal de films d'horreur. Non, des films que j'avais pas encore vus. Ouf, on a du challenge là. On a du challenge. 10, 11. Ils sont un poil plus nombreux. Certains d'entre eux sont pas super super forts. Ouais, par contre, celui-là, il est super fort. Je crois que c'est le chef. On peut tenter le truc. On peut tenter le truc. On n'a pas entièrement récupéré, mais... Je pense qu'on peut tenter le truc. Dans le pire des cas, on se prend une tannée. Et dans le pire des cas, j'engêne, repère un membre. Ouais. On va faire ça comme ça. On va les attendre en bas. On va avoir Marcel Pagnol. Et Marvel d'un côté et de l'autre qui ont tenu leur position et qui vont se mettre à attaquer. C'est lequel le plus fort? C'est lui, non? C'est un Iver, le plus fort, c'est lui. Et là, on envoie le reste de la squad.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut envoyer Rohan et... Ah, putain. Il est où le plus fort? C'est le plus fort, non? Ouais. Ça va être Rohan et Ambre contre lui. Marcel et Marvel, on va les faire reculer. Ah, putain. Non, Marcel, non, elle est prise dans le truc. Ok, on a éliminé le plus fort. Yes! Oh, regardez-moi ça! Que du move! Esquive! Boum! Par contre, les archers vont faire chier. Défoncez-moi! Hop. Je viens de me rendre compte qu'on a plus de musique. Ah, putain, Marvel, non. Tire à distance, tire à distance. Perds pas la phase, Gertrude. Ouf. Yes. Approche-toi, Marcel. Tire concentré. Ah merde, Philippe Etchebest est à terre. Ça va être long à monter les arts martiaux pour Ambre. Ouf! Ouf! Comme on a arraché le bras de celui-ci. Que du bon move, que du bon move. Oh putain, Gertrude. Non, mais pas tes mains ici, non! Est-ce que je peux me faire ban de Twitch pour ça? Ah putain. Et on a eu de la bagarre là. On a eu de la bagarre, non seulement on a eu de la bagarre, mais en plus, infériorité numérique contre des ennemis qui étaient quand même un peu plus efficaces que nous. Et pour des ennemis qui étaient quand même un peu plus efficaces que nous, même Jean Eugène, il s'en est sorti, quoi. Incroyable. Par contre, Poulet, il améliore sa force assez aisément avec son arme, quoi. Faut que je trouve des objets lourds. Je crois que c'est surtout dans les ruines que je trouve ça, quoi. Que ça, j'ai les refils à Ambre et putain, on les augmente ses stats. Putain, il a une belle hache, lui. Ah, putain, c'est une lance. 25, alors 0,91, 41, 14, 26, 1.
40 pénétration d'armure. Bonus d'attaque. Défense moins 4. Ouais, non, la lance, elle est quand même vachement efficace contre les animaux, quoi. Je crois qu'elle a une meilleure portée aussi. En termes de poids, elle est plus facile à manipuler que l'autre. Hop. Check, double check. Alors, on va quand même regarder en termes de prix. Ce truc se vend assez bien, donc on va le prendre avec nous. On va prendre son pantalon, parce que je crois que ça se vend assez bien, ça aussi. On va mettre ça ici, comme ça on perd pas les stats. Ça peut se vendre assez bien. Je pense que c'est surtout les pantalons qui sont bien. Non, les bottes se vendent assez bien. Puis en même temps, ça, c'est des bottes de qualité. Armure lourde. Armure lourde. Ils ont quoi comme bottes? Lui, c'est armure moyenne. Poulet, c'est armure lourde. Poulet, je dois lui faire une armure lourde. Ça, c'est vrai. J'ai totalement oublié que poulet, je devais lui faire une armure lourde. Thor, on est totalement dessus, mais poulet, je vais zapper. Je vais peut-être foutre Ambre dans une armure lourde pour faire développer ses compétences en arts martiaux. Ça sent bien ça? Non, ça sent pas. Pas ouf ça. Et donne-moi tes sous, ça se vend pas trop, ça soigne. Ça se vend. On prend tout ce qu'on peut prendre. Ça se vend. Ça se vend pas. Ça se vend. Pas ouf non plus, mais ça se vend. J'ai peut-être plus de place sur Ambre. On va prendre quelqu'un d'autre. Marcel Pagnol, tiens. Comme ça l'aide à développer sa force aussi. Il a combien de force actuellement, Marcel Pagnol? Il a juste 3. Ça se vend, ça se vend assez bien. Je sais ce que je vais faire. On va en foutre dans l'inventaire de Gertrude aussi. Qui c'est qui a apporté Gertrude? Ambre. Ambre va porter Gertrude. Putain, Gertrude, quand même, c'est pas la première fois qu'elle est à terre. Philippe et Chibest non plus. J'espère qu'ils prennent au moins des bon points de résistance pour ça. Putain, il y en a un qui se lève. Oh putain, il se lève. Descends-les, Marcel. Descends-le, descends-le. Ok. C'est lui qui avait un bon casque.
Hop, Gertrude. Là, on est bien. Il y a quoi quand même? Pas ouf. Philippe Etchebest, il est ouf. Marcel Pagnol va prendre Philippe Etchebest. Pareil, développer la force. C'est pas que c'est impératif de développer la force, c'est juste que je trouve que c'est toujours un bonus. Comme ça permet au groupe de transporter plus de trucs assez aisément. Qu'on a pillé tout ce qui était en bas, on va voir en haut. Il a l'air d'avoir du truc. Philippe Etchebest, ça à vendre, ça à vendre. On va donner les flèches à Marvel. Putain. Hop, Philippe Etchebest là. Est-ce qu'il peut me prendre un. Pantalon, mais il pourra sûrement me prendre une autre plaque. Putain, ça se vend en fait, les carquois. On va checker ça après. Déjà, Marvel va me prendre tout ce qui est flèche. Il avait un carquois lui. Non. Lui il a un carquois. Hop, on prend. Hop, Thor. Thor va les dépouiller. Son dos nul. Ah non, ça tu peux le garder. Ça je te le prends. Et on va pouvoir se faire un petit peu d'argent avec ça. Sabre, lui, non? J'ai pas regardé les arbalètes, s'il y en avait des bonnes. Une meilleure arbalète pour. Il a un toothpick carrément. Hop. Je sais pas si ça se revend ça. On revendra quand même. Ça se revend. Et lui, il avait quoi? Oh, ça se revend. Je peux regarder leur arme secondaire. Lui, il en a pas. Ça le mérite d'être clair. Et lui, il se revend pas. Enfin, ça se revend, mais à tout petit prix, quoi. La Battle Axe, Battle Axe, c'est qui? C'est Philippe Etchebest. 042, 475. Ça va être mieux.
voir les bonus. 10, 10, moins 4 de défense. Par contre, il y a une pénalité à l'intérieur, ça n'a aucun intérêt. Ouais, ça fait plus de dégâts, mais c'est pas ouf à utiliser à l'intérieur. Bon. L'équipe est là. Gertrude est normale. En vrai, je pourrais la remettre sur pied. Pareil pour Philippe Etchebest. Je vais demander à Ambre de prendre Philippe. Quatre de force. Il a combien de force, poulet? 46. Compliqué à rattraper quand même. Non, avec tout le monde à terre, on va voir à quelle vitesse il se déplace. Je pense que le plus long de l'équipe actuellement, c'est. Faut développer les compétences quand même. Marcel Pagnol va du coup porter Philippe Etchebest. On va retourner à la maison. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Par où on va passer? C'est par là. Ils ont mangé sévère en vrai. Je pense que celui qui a perdu un bras, il doit être mort actuellement. Lui, il est en coma. Ouais. Il est pas mort, mais il est en très mauvais état. C'est-à-dire qu'il est sur le point de perdre sa jambe gauche. Lui, il est en train de mourir, et lui, il est en train de mourir. Là, hiver, ils ont pris plein la gueule, quoi. Pourquoi je m'intéresse à ça? C'est toujours cool de voir quand même les dégâts qu'on a infligés, histoire qu'on se rende compte un peu comment on a évolué, quoi. J'essaie de voir les compétences d'attaque de chacun. Philippe Etchebest, il faut encore qu'il s'entraîne. Peut-être pour ça qu'il n'est pas aussi efficace, mais la défense, ça monte. Marcel Pagnol, il est bon qu'à l'arbalète. Et encore. Il n'a pas une précision de shooting de fou, mais bon, ça viendra avec le temps. Celle de Marvel augmente petit à petit. Hop, on va allonger le mur comme ça après. À dire qu'il y en a, ils arrivent à jouer à Kenshi avec les ombres, et moi, genre, ça charge tout le temps, quoi. Très intéressant, hein. Vivant qu'on pète la gueule au chef des bandits. Je pense que ça va être long, mais au moins ça fera des aventures, quoi.
Au pire, on pourra toujours regarder en termes de primes. Qu'est-ce qui rapporte en ce moment? C'est une mauvaise idée, par où on passe? Une très mauvaise idée. Là, c'est mieux. Je sais pas par où j'y allais, mais j'y allais. Franchement, Gertrude, aussi en combat, elle se démerde vachement bien à la lance, quoi. 23 en lance. Putain, elle fait pas mal de dégâts de foule, quoi. C'est ça qui est classe. J'ai l'impression que par contre le marteau de poulet ça lui permet surtout de développer sa force et c'est tout. Il a un peu de mal quand même. Ça monte sa défense quand même. Il a plus de défense que Thor qui est censé être le défenseur de l'équipe. Même si. Attends, non, je dis des conneries. Non, au total avec les objets c'est Thor quand même qui a le plus de défense. Hop, par là. Lors de ma toute première partie, ma première ville, si on peut appeler ça, c'était vraiment pas une ville. Premier avant-poste, on va dire ça. Je l'avais construit ici. Ce qui est un endroit merdique. Absolument merdique. Que Gilbert s'en sort. Gilbert s'en sort. Je sais pas à quel. Je crois. Les plus gros mangeurs en parlant de race, je crois que c'est l'échec, si je me rappelle bien. Les Scorchlanders étant les derniers. Ou alors c'est les Ivers qui mangent moins. 0,60. Berlin et les 0,80. Non, les Ivers mangent moins. Par exemple, c'est celui qui mange le plus 1,25. Sachant que tout cela s'est affecté bien évidemment par le poids qu'on a sur le dos et ainsi de suite. Hop. On va couper tout type de mouvement. On va vendre le loot, se faire du bise. Une fois qu'on aura pas mal de monnaie, je pense qu'on fera un tour à Squeen pour s'acheter de l'équipement encore. Notamment une armure complète pour poulet. J'avais dit. On coupe les jobs. Et ils font tous manger, quoi. Putain, quelle bande de chieurs, quoi. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans on coupe le job? Ça se vend bien, ça quand même. Et il faut que je la garde pour le poids, quoi. Y a quoi de lourd ici? Ça aussi, une bonne arbalète, c'est un truc qu'il faudra réfléchir quand on aura augmenté les compétences de Marvel, Marcel Pagnol. Ouais, non, ça j'ai cru que je gagnais pas l'argent, excusez-moi.
Ça, on va le vendre. Oh putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci le beurre pour le follow. Pourquoi j'ai eu peur? C'est mon propos. Oh là là. Tellement pas l'habitude d'avoir les follow. Merci le beurre en tout cas. Est-ce que j'ai mon chat qui fonctionne au moins? A priori oui. D'où il sort ce truc? Pourquoi j'ai une dague à 31 pièces? Oh putain, un son vent. Ça se vend, c'est de l'argent. Hop hop, vendu. Poum poum poum. Yes. Comme on monte dans le domaine du bise. Le carquois, je pense que je vais le vendre. Ah, c'est pour ça que j'avais pas équipé de carquois les autres. Ça cause des malus. Ouais, ils sont pas ouf les malus non plus. Dans tous les cas, je vais vendre celui-ci. Je crois que j'en ai encore quelques-uns dans mes coffres là-bas. Ça, à vendre. On est équipé en flèches au moins. Je crois que c'est Marvel qui a toutes les flèches. Hop. Ça pour Marcel Pagnol. Et on s'est bien refait en bise là. Vendre d'ici. C'est qui est avec le vendeur? Je crois que je peux vendre. Yes, je peux vendre d'ici. Boum! 28 pièces! Je pense qu'on a fait une bonne évolution là ce soir déjà. Allez, tout ça à l'intérieur de la maison. On a commencé la soirée avec Deadland, 5000 pièces. On venait d'engager Marcel Pagnol, qu'on devait ramener à la maison équipé. Ça s'est fait. On a tabassé les araignées mécaniques en cours de route, même si on s'est un peu fait tabasser. Juste un peu. Retour à la maison tranquille après ça. On a vendu ce qu'on avait récupéré sur les araignées. On s'est fait du bise. Avec le bise, on a pu se racheter un peu de bouffe. On a tabassé des bandits. Ouais. Ouais, on a tabassé des bandits. On s'est refait du bise. On a commencé la soirée avec 5000 pièces. On a fini avec 28 000. Je pense que c'est une soirée très productive. Sur ce, on va sauvegarder ici. Hop. C'est quel sauvegarde? Excusez-moi si je suis très silencieux. Plus de bruit que passif qu'autre chose, c'est dégueulasse. Le vieux monstre ASMR. Je suis tout seul. Et je suis fou. Tu es moi. Je plaisante. Quoique. Non, je parle pour le fou, hein, pas pour. Tu sais pas, s'il vous plaît. Tellement les ridicules. Je suis tout seul. Je parle tout seul. Horrible. Ah. Non, je parle pour ceux qui regardaient les rediffs sur The Scribodé. Lien en description. Autopromotion plein bien placé, pardon. Dab. Pourquoi je rigole? C'est la fin de soirée, je suis fatigué, excusez-moi. Sur ce, merci à tous d'être venus. Merci le beurre pour le follow. Merci. Ouais. Je sais pas si t'as apprécié le stream ou pas. Dans tous les cas, merci.
Merci à Clichette d'être venue au cours de la soirée pour m'accompagner un peu. Et merci. Merci. Oh, déjà, je vais peut-être pas dire. Avant de dire merci, je vais dire désolé pour le stream de la dernière fois qui s'est assez fini un peu sur les. Comment dire? Ouais, sur des propos un peu mal placés. Désolé public pour le stream qui s'est assez mal terminé pour la dernière fois. Sachez que je vous apprécie de tout mon cœur, même ceux qui regardent cette rediffusion sur TheScreenVOD, lien dans la description. Sur ce, moi, je vais aller me mater. Je pense que ouais, je vais me mater un film d'horreur dans mon lit, tranquille. Histoire de me foutre encore plus la pétoche que quand on me follow. Merci le beurre pour m'avoir mis dans le mood de la peur. C'est le mois de décembre, c'est moi qui fais peur. Noël, Halloween en décembre. Dab. Faut que j'arrête de dire dab. Donc, bonne nuit tout le monde. Je mets le stream dans le temps. Je vais y réussir, c'est vraiment la fatigue, excusez-moi. Je mets le stream dans le torchon. Et on se retrouve la prochaine fois pour Dragon's Dogma. C'est ça. Demain soir, 21h30, normalement, s'il n'y a pas d'interruption, pas d'accident, rien. Si ma maison ne part pas en feu. On prend toutes les possibilités en compte. Pourquoi je prends toujours 10 ans pour couper les streams? Je coupe le stream. Tchuss!